Salut à tous et bienvenue dans ce 10e bilan de la chaîne. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu'est un bilan de la chaîne pour moi, eh bien c'est simplement que tous les mois, je vous fais un petit bilan de ce qui s'est passé sur la chaîne, de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé autour. La plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais encore une fois, merci, vous êtes une centaine de plus encore par rapport au mois dernier. Donc on est à 969 au moment où je tourne, peut-être un peu plus au moment où le bilan sortira. Et donc on approche des 1000 et je vais en parler, mais tout à l'heure. Alors aussi je vous remercie, on est à 195 000 vues, c'est-à-dire que d'ici quelques jours, et peut-être même déjà, on est à 200 000, parce que en ce moment le compteur YouTube bug, il m'ajoute pas de vues pendant 3-4 jours et il me les met toutes d'un coup le même jour, donc des fois je gagne 3 à 4 000 vues en un seul jour sans avoir bougé avant. Donc 195 000 vues, on est bientôt à 200 000, ce qui est un chiffre assez conséquent. Donc je suis content de voir que, quelle que soit la vidéo, il y a un public qui est là, peut-être pas toujours le même. Mais en tout cas, vous suivez la chaîne, vous êtes plus ou moins disponible. Je sais qu'avec les vacances, il y a un peu moins de monde sur le net. Mais voilà, vous êtes toujours présents depuis le début, depuis septembre, pour certains. Depuis un petit peu après, parce que vous êtes arrivé avec Skyrim pour un grand nombre. Donc merci, et Skyrim, je vais en parler aussi dans ce bilan, hein, vous inquiétez pas. Et donc quasiment 1000, hein, encore merci, vraiment, vous êtes une petite communauté, j'insiste sur le mot petite, mais avec une grande présence, cependant. Et ça, ça fait plaisir, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce petit mois? Alors, c'est le mois de juillet, je vous avais parlé que je travaillais, et qu'il y aurait peut-être une diminution des vidéos. Ça n'a pas été le cas, puisque j'ai réussi à m'arranger pour sortir des vidéos, des fois dans la douleur, puisque j'ai une vie, un boulot, tout ça, donc c'est un peu dur de tout vous préparer. J'ai des séries que je veux suivre et tout, ça m'embête de prendre du retard. Donc, vous avez eu ce mois-ci la suite de Skyrim Infinite, sur la map Skyrim. Donc vous voyez que ça avance doucement, on a fait une première partie de série où on apprenait à vivre sur la carte, où on essayait de se trouver des ressources. Là, au moment où on en est, on commence à s'attaquer au Nether, on entre dans la fin de la série, mais aussi une partie où cette fois on a tout ce qu'il faut pour survivre, et on commence à essayer de remplir des objectifs, véritablement. Donc voilà. Normalement, on devrait arriver à la fin de la série, notre but c'est l'end. Hein. Simplement, on ne sait pas si on battra le dragon, on n'a pas encore tourné ça. Mais sachez qu'avec les épisodes à venir dans le Nether, vous avez le droit à avoir un petit peu d'action, beaucoup de fails, des stratégies totalement sorties de nulle part, enfin ça va vous plaire, je pense. Sinon, vous avez eu Mass Effect. Alors, Mass Effect qui continue, hein, on en est à l'épisode 22, que je vous propose de regarder. Alors, Mass Effect, je sais qu'il y a très peu de monde qui regarde. Ça vous intéresse pas beaucoup, pour la plupart. Et pourtant, je dois vous avouer que au début, j'étais aussi pas très content du playthrough. Je me disais, ouais, je le fais, parce que ça fait plaisir à un certain nombre et tout. Et le problème, c'est que vous êtes de moins en moins regardé. Et pourtant, le playthrough devient de plus en plus intéressant. Donc, ceux qui ont lâché le playthrough dans les premiers épisodes, il y a de l'action qui revient dans les épisodes 6, 7, 8, 9, 10 et tout. Après, ça retombe un peu, j'avoue, ça retombe un peu dans le truc un peu banal. À partir de l'épisode 16, 15, 16, le playthrough devient intéressant. Donc franchement, si vous avez lâché avant ces épisodes, je vous invite à aller regarder l'épisode 22, et sincèrement génial pour ma part. Il n'y a pas un seul combat, mais il est parfait selon moi, il est vraiment amusant. Et les deux derniers épisodes, 23 et 24, valent le coup d'œil. Surtout le 24, le final, oh là là, je vais vous en parler de celui-là aussi. Parce que ça va être une vidéo très 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 spéciale. Sinon, vous avez eu la première et la deuxième vidéo test. Alors j'ai appelé ça vidéo test, ouh là là, quelle originalité, si quelqu'un a une idée qui la propose tout de suite, vite. Ou pas, parce que finalement, je vais vous en reparler. Donc vous avez eu Max Payne 3 qui vous a plutôt plu, qui est vraiment pas mal comme jeu. Et Splinter Cell qui est sorti il y a exactement 5 minutes. Donc je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Je sors du boulot, oui, c'est un peu difficile d'upload des vidéos, de tourner, enfin voilà. Mais bon, ça marche pas mal. Ça vous plaît moyen. Et moi, je dois vous avouer que ça me plaît très moyennement, parce qu'en fait, je suis parti sur cette idée en me disant que je vais faire plein de trucs géniaux, et finalement, voilà, au bout de deux vidéos, je suis à court d'idées et de jeux, même si j'ai des jeux hein, sous le coude. Je sais pas, ça me convient pas finalement ce que je suis en train de faire. Vous avez eu le dernier entrelise de Skyrim, donc sur le dernier personnage que j'avais fait du livre 3. Vous en aurez pas d'autres, simplement parce que le livre 4
arrive très vite, bientôt. Vous pouvez d'ores et déjà noter ça sur votre agenda. Vous aurez ça en août. Et très bientôt en août, croyez-moi. Sinon, vous avez eu le dernier épisode d'Assassin's Creed. Alors, je sais que ça en a déçu plus d'un. Parce que vous n'étiez pas nombreux, mais il y en avait un certain nombre d'entre vous qui étaient là pour Assassin's Creed. Il y en a qui sont carrément désabonnés, et je les comprends parfaitement à partir du moment où j'ai arrêté que certains se soient désabonnés. Je reviendrai avec Assassin's Creed 3, vraiment. Il y a un mode co-op qui va être extra, surtout que je pourrais jouer avec Homer. Il va y avoir un mode multi qui devrait être aussi bon. Je reviendrai. Mais là, Assassin's Creed, j'ai besoin de faire une pause, un peu de passer autre chose. J'ai une centaine d'heures dessus. Et je suis pas un grand fan des multijoueurs de jeux finalement. Et sinon, ce mois-ci sur la chaîne, je crois que c'est tout. Il y a peut-être eu le jour où mon anime a claqué. C'est vrai. Mon anime a claqué quelques jours après le bilan précédent, il me semble. Bon, je vous ai prévenu et puis finalement dans la soirée c'était réglé. Sinon, il s'est rien passé d'autre sur la chaîne. Par contre, autour de la chaîne. Autour des personnages chaînures qui se fondent au fil de l'année, et avec Homer, surtout mon duo avec Homer, il se passe plein de trucs. Il y en a parmi vous qui sont de véritables cinglés, et j'en citerai un, c'est The Real Vroom. Je dis mal ton pseudo, peut-être qu'il se dit pas avec l'accent anglais, je m'en fiche. Tu es un taré. Monsieur nous a fait un texture pack qui est très bon, alors le voilà, c'est celui que je mets en ce moment. Il est sympathique, vraiment, je l'aime bien. Il ressemble au précédent que j'utilisais, tout en ajoutant des nouvelles textures qui me plaisent beaucoup. Donc je vais le garder, il est très bien, j'aime bien ce cyanure touille pack. Qu'est-ce qu'il nous a fait aussi, The Real Vroom? Il nous a fait un site. Monsieur a sorti un site pour moi et Homer, et il le gère lui-même, c'est-à-dire on n'a pas trop de... Bon, bien sûr, comme c'est sur nous, on peut lui dire « Ah non, ça nous plaît pas, il y a ça à changer, machin. » C'est lui qui gère. Et c'est vous aussi, apporter des idées, tout ça. Donc l'adresse est dans la description. Allez faire un tour. Bon, c'est pas un site, vous avez rien de fabuleux d'autre par rapport à notre chaîne. Mais bon, vous avez une petite FAQ, tout ça. Et puis, vous permet de vous y retrouver, de vous y retrouver sur nos deux chaînes en même temps sans avoir besoin de passer chez moi ou Homer. Mais franchement, l'idée est bonne, elle est très sympathique. Peut-être que le site sera plus utile plus tard par la suite. Mais en tout cas, je te remercie, The Real Vroom. Alors, je cite The Real Vroom, je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui m'envoient régulièrement des commentaires, des messages privés. Il y a quelques noms qui me viennent à l'esprit, vraiment, je vais citer... si je vous cite pas, ne le prenez pas mal, je sais qui me suit. Je sais que... Bon, enfin, Classkiller, Craftiox, oui, tu te reconnais, hein, forcément. Sierra Camille avec les vidéos Assassin's Creed. Je sais qu'il y a... En fait, j'ai pas les noms en tête, mais quand vous envoyez un commentaire, je sais qui vous êtes. Je sais qu'il y a Box Chaco, je dis peut-être mal ton pseudo, qui est souvent là en commentaire. Et d'autres, Shadow, je ne sais plus quoi, je sais plus, je suis désolé, je retiens pas ton pseudo. Mais ça fait plaisir de voir que vous êtes là, vraiment. Ça fait, voilà, je sais que vous êtes là, vous commentez, vous envoyez des messages. Nicolas Zer aussi, désolé, je dis mal les pseudos. Enfin voilà, je peux pas faire le tour des 900 abonnés, je sais qu'il y en a qui s'impliquent un peu plus que les autres regardent, et ça fait plaisir. Vous n'êtes pas obligé de poster des commentaires ou de m'envoyer des messages, tandis que vous regardez les vidéos et que ça vous plaît, ça me fait plaisir. Enfin, ben bon, tout ça pour dire que j'ai complètement changé de sujet avec ce que je voulais dire. D'ailleurs, le fameux Nico Laser, peut-être que j'ai dit mal ton pseudo, je m'en veux, mais tu te reconnaîtras, hein, Gmail, tout ça. Je te remercie, le cher ami va me faire quelques images personnelles pour mes séries, tout ça. Si vous aussi, vous avez des images à me proposer, proposez-les, hein. Je veux pas que vous rentriez non plus en compétition. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir une grosse base de données qui vient de vous. En plus, si ça vient de vous, alors là, moi, j'accepte, hein, y a pas de problème. Sinon, alors, vous avez beaucoup vu chez Homer, puisque Homer, j'avais dit dans le précédent bilan, maintenant un bon PC, donc il peut faire quelques séries avec moi. Et moi, alors certains me demandent pourquoi je ne fais pas des vidéos sur tel truc ou tel machin, ou pourquoi je ne sors pas les séries qu'Homer sort parfois. Les amis, une semaine, c'est 7 jours. Sur ces 7 jours, vous en avez 5 où il y a une vidéo de moi, enfin que je vous fais. Les deux autres jours, c'est pour me reposer ou faire des rendus ou upload des vidéos. Je peux pas faire plus, je suis vraiment désolé. Si les semaines faisaient 15 jours, eh ben je vous ferai plus de vidéos dans la semaine. Mais je suis désolé, je dois faire des choix. Et ça permet Homer aussi, parce que Homer au départ sa chaîne elle dépendait que de moi quoi. C'était juste l'autre vision des séries qu'on faisait lui, vu que vous étiez en majorité chez moi. Maintenant il a des séries qui sortent que chez lui et tant mieux pour lui.
Ça me fait plaisir, moi, ça, comme ça, j'ai pas à tourner, pas à m'embêter, c'est lui qui gère. Puis ça lui permet d'avoir quelques exclusivités. Désolé, j'ai ma langue de fourche. Vous avez peut-être rien compris, tant pis. Il a fait du Left 4 Dead, donc du Dr. Mike 2. J'avais fait le 1, bah lui a fait le 2. Et du Wall of Fury. Alors, oui, on rage beaucoup sur Wall of Fury. Oui, on exagère, bien sûr. Au fond, moi, j'étais plutôt calme. Faut avouer que cette map était super chiante, c'est tout. Et je dois dire que regarder des vidéos d'Uber Axor Nova qui est un rageux de première n'aide pas à ne pas être un rageux quand on tourne ses propres vidéos. On est influencé par les gens qu'on aime. Voilà, donc ça c'était tout ce qu'il y avait autour de la chaîne et tout. Ça fait 10 minutes que je vous parle, c'est long, vous faites chier. Donc maintenant on passe à ce qui arrive dans les mois à venir. Or, pas de live, déjà certains m'ont demandé en message privé, vas-tu refaire un live? Le mois prochain, pour l'instant je vous dis pas de live. Peut-être. Peut-être. C'est pas sûr. On va pas vous dire qu'on va. C'est Homer qui tournera, je pense, avec son PC, qui est vachement bien. Mais pour l'instant, on va pas vous dire de live, parce que d'ici que ça se fasse pas, ce serait vraiment vous dire de la merde, tout simplement. Alors moi, je vais être en vacances. Alors j'ai pas les dates précises, ça va être 6 ou 7 jours début août, tout début août. Donc, pour les vidéos, ce que je vais faire, je sortirai tout le jour de mon départ, je vais les upload avant, je sortirai 3 ou 4 vidéos. Et pendant une semaine, vous ferez comme vous voulez. Si vous voulez regarder les 4 le jour de leur sortie, vous faites. Si vous voulez les diluer pendant mes vacances, vous le faites. Si vous voulez regarder la veille où je rentre, vous faites comme vous voulez. Vous sortirez les vidéos. Vous vous débrouillez. C'est juste histoire que vous ayez un petit peu de contenu le temps que je sois pas là. Donc vous gérez comme vous voulez. Tiens, je n'avais pas mis en peaceful cette map, tant pis. Sinon, alors, la semaine prochaine, il y a les deux. Enfin, la semaine où on est en fait. Il y a la fin de Mass Effect. L'épisode 23 qui est assez court et l'épisode très court, hein, l'épisode 23, 18 minutes je crois. Et l'épisode 24 qui est le final, et ce final, croyez-moi, si vous suivez Mass Effect depuis le début, il va vous en mettre plein la tronche. C'est 20 minutes de révélation, 20 minutes de blabla au départ avec des révélations, de super révélations, et après de la grosse baston. Et franchement, le scénario de Mass Effect est vachement bon sur la fin, les scènes d'action sont vachement bonnes sur la fin. Donc vous savez que si vous avez envie de vous mettre à la série Mass Effect, ou vous y remettre, faut regarder tous les épisodes d'avant, hein, sinon vous allez avoir du mal à comprendre. Mais le final, franchement, va être sympa. Une heure de vidéo, je ne le ferai plus, parce que ça me prend un temps fou et upload. J'ai passé une journée de 8h à 20h à vous préparer la vidéo, hein, 12h. Donc je ne le ferai plus, c'est sûr. Mais en tout cas, regardez-le, franchement, si vous aimez la série, ça va être un final génial. Sinon, parmi les vidéos qui sortira pendant mes vacances, les vidéos dont je vous parlais il y a quelques minutes, il y aura l'épilogue de Mass Effect, puisque, pardon, après le final, je vous sortirai un petit épilogue, je vous montrerai une mission secondaire, je vous parlerai de 2-3 trucs. Et il y aura aussi le début de Skyrim, le prologue du livre 4, enfin, je sais qu'il y en a qui l'attendent depuis un paquet de temps, enfin, le prologue du livre 4 sortira. Donc à vous de le regarder, je vous en dis pas plus sur le livre 4, ne me posez pas de questions sur le livre 4. Tout vous sera révélé dans la première vidéo du livre 4. Je vous demanderai, vous voulez que je fasse ça ou ça, je vous dis pas encore ce que c'est. Vous verrez bien. En tout cas, je vous laisserai le choix sur le livre 4, sur ce que vous voulez que je vous montre. Enfin, je vous laisserai deux choix, hein, quand même. Sinon, qu'est-ce qu'on a? J'ai une super idée de série Minecraft, mais vraiment géniale. Ce serait une série où on serait... Ce serait à moitié... En fait, ce serait du multijoueur tout seul. Je vous en dis pas plus, c'est une série où je serai pas tout seul, je vais pas faire ma propre série Minecraft, j'en ai pas envie, j'ai envie d'être avec Homer, Darkoon, les potes, tout ça. Mais, ouh, un combat derrière moi, regardez ce combat. Fini, désolé. Mais j'ai une idée qui est sympa, que j'ai encore jamais vue sur YouTube, du moins chez les Français connus. Donc, ce con est sur un cactus. Bref. Donc, cette idée, on va la mettre en place après Skygreen. Normalement, Darkoon est OK pour le projet. Polo, si tu regardes cette vidéo, contacte-moi. Parce que, purée, quoi, j'attends de tes nouvelles. Et puis voilà, on sera peut-être 4 ou 5. En tout cas, super idée, je crois. Et donc, la fin de Skygreen Infinite, ça se finira dans l'End, je pense. Je ne sais pas si on battra le dragon. À nous de voir. Sinon, il y a un autre événement super important qui va se passer. Qu'est-ce qui souffre derrière, bon sang, hein, c'est terrible. Regardez-moi ça. Attendez. Non, ça c'est ma tête. Mais regardez le crever. Ah. Ah bah il va bien. Ah non. Bon, je me perds complètement. Ouh, super. Les 1000 arrivent dans 30 abonnés à peu près. Vous êtes 1000. Ta 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 ta.
C'est, ce sera génial, bordel. Oh, bien sûr, 970 000, il y a une trentaine de personnes en plus. C'est un chiffre symbolique. Et donc, pour cette occasion, je vais vous faire une super vidéo spéciale 1000. Le problème, c'est que... Alors, cette vidéo spéciale 1000, je veux la sortir, j'aimerais la sortir pendant mes vacances. Donc, le problème, c'est que je pars dans 10 jours, en gros. Donc, soit vous me trouvez, je dis vous me trouvez parce qu'il faudra peut-être faire un peu de pub. Soit 30 abonnés débarquent en 10 jours, c'est possible, largement. Et je sors la vidéo des 1000 avant de partir. Soit il manquera 5 ou 6 abonnés, je la sortirai parmi mes vidéos de vacances, pour que vous en profitiez. Soit elle sortira après mes vacances, donc mi-août. Donc, plus vite les 1000 arriveront, plus vite vous aurez cette vidéo. J'aimerais ne pas être pris au dépourvu quand même. Je vous annoncerai 2-3 trucs importants dans cette vidéo. Elle sera un petit peu spéciale. Elle sera un petit peu spéciale parce que c'est vous qui allez décider ce que sera cette vidéo. Qu'est-ce que vous voulez? N'importe quoi, vous me dites dans les commentaires. Vous voulez. Non, je vais pas vous donner d'idées, elles seront bidons. Dites-moi ce que vous voulez comme vidéo pour les 1000. Vous voulez un bêtisier? Ça va être très dur. Vous voulez une vidéo complètement délire? Une vidéo sur un jeu? Bon, un jeu faisable, s'il vous plaît. Une vidéo faisable, hein. Me demandez pas d'aller à New York tourner des buildings, voir comment c'est beau, hein. J'habite, s'il vous plaît, j'habite en France. Voilà, je délire complètement. Une vidéo faisable. Mais proposez des idées, moi j'en ai quelques-unes. N'importe quoi, si c'est faisable, j'accepte. C'est vous, vous êtes les 1000 abonnés, je ne serai rien, cette chaîne serait rien sans vous. Donc c'est normal que la vidéo des 1000 abonnés, ça soit vous qui décidiez ce que vous voulez voir. Bien sûr, il y en a qui vont pas avoir les mêmes idées, proposez dans les commentaires, la majorité gagnera comme d'habitude depuis le début de cette chaîne. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y aura? Rien d'autre. J'ai fini ce bilan, en fait non. Donc rappelez-vous, il y a les 1000 abonnés, absolument, proposez-moi des idées, plein d'idées. Regardez Skyrim, hein, absolument Skyrim. Bon bref, je vais pas tout vous résumer le bilan. Les vidéos test, je vais peut-être arrêter, parce que ça me plaît pas. Donc je vous propose 3 trucs. Soit je vous fais un let's play sur un jeu. Par exemple, un jeu que j'ai proposé pendant mes vidéos test, donc Max Payne 3 ou Splinter Cell. Je peux vous faire un playthrough dessus, vraiment tout le jeu. En fait, j'ai jusqu'à octobre, parce qu'en octobre il y a des jeux qui sortent. Mais jusqu'à octobre, je peux vous faire une fois par semaine, seulement une fois par semaine par contre, une vidéo de playthrough d'un jeu. Donc vous aurez qu'une vidéo du playthrough par semaine. Mais je vous propose Max Payne 3 ou Splinter Cell Conviction ou un autre jeu que j'ai. Donc il faut me demander si j'ai le jeu avant de le faire. Sinon, si vous voulez pas que je fasse un jeu, à la place, je vous propose. Je sais pas ce que je vous propose. D'autres vidéos test, je veux pas en faire d'autres. Je dois avoir des jeux sous le coude. Ou alors, pour les fans de Mass Effect, Mass Effect 1 va se terminer. Est-ce que vous voulez, fans de Mass Effect, que j'attaque Mass Effect 2 tout de suite? En même temps que le livre 4 de Skyrim. Pas d'inquiétude, ceux qui aiment Skyrim pourront suivre le livre 4. Ceux qui aiment Skyrim et Mass Effect seront aux anges. Je peux faire Mass Effect 2 une vidéo par semaine, malheureusement. Donc le Play 3 avancera très peu vite. Quand le livre 4 finira, je pense, je ferai Mass Effect 2. Et oui, quelle annonce, nanana, je vais faire Mass Effect 2 en playthrough. Parce que le 1, il n'a pas trop marché, vous n'avez pas été beaucoup. Mais cette série est énorme. Regardez les vidéos, franchement. Bon, il y en a certains, ils regardent peut-être parce qu'ils ont déjà fini le jeu. Mais franchement, regardez. C'est un long bilan, hein, je vous avais prévenu. Regardez-le, parce que je vais faire le 2. Et le 2 est énorme, et génial. Et beaucoup plus intéressant, selon moi, par rapport au 1. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez un playthrough sur un jeu comme Max Payne ou Splinter Cell ou d'autres trucs? Ou est-ce que vous voulez que j'attaque Mass Effect 2 sachant qu'il n'y aura qu'une vidéo par semaine? C'est ça le problème. Pour Mass Effect 2, ce sera un peu dommage. Pour d'autres jeux, ça gênera pas. Voilà, donc vous voyez que ça fait 20 minutes que vous parotez comme un con à me regarder pendant que je vous parle de la chaîne. Je vous remercie encore, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de sourire comme un couillon tellement vous êtes là pour moi, pour la chaîne, tout ça. Vraiment, merci, encore une fois, d'être si présent, de regarder les vidéos, de les aimer, de les commenter, de m'envoyer des messages, tout ça. Je vous rappelle que j'ai mon adresse Gmail, vous la trouverez dans la description. Et je vous annoncerai 2 trucs importants. Je dis ça après l'adresse Gmail, donc je vous laisse voir s'il y a un lien ou pas. 2 trucs importants pendant la vidéo des 1000. Donc, rappelez-vous, la vidéo des 1000, qu'est-ce que vous voulez? À la place des vidéos test, qu'est-ce que vous voulez?
Et regardez, s'il vous plaît, Mass Effect. Je me fais un peu l'autopromotion. Et surtout, regardez le livre 4 de Skyrim qui va arriver. Ça devrait être sympa. Voilà, on va repasser en vue comme ça. On est sur le fameux serveur d'Omer et moi. On n'est plus dessus, Omer est en vacances, il me semble. Je sais pas, j'ai plus de nouvelles, il est peut-être mort, mais j'espère qu'il est en vacances. En tout cas, merci encore, un grand merci. Je ne cesse de dire merci, merci. Si en tout cas, merci. non, bon, c'est la fin de cette vidéo bilan. On se revoit très bientôt sur les chaînes pour de nouvelles vidéos. Le final de Mass Effect, ne le loupez pas. Le début du livre 4 de Skyrim, ne le loupez pas. Et eh bien, on se retrouve pour la vidéo d'Emile très prochainement. Et eh ben merci d'avoir supporté 20 minutes de bilan, c'est le plus long bilan que j'ai fait jusqu'ici. À la prochaine, c'était Cyanure, pensez à vous abonner si vous découvrez la chaîne, mais à vrai dire, j'espère plutôt que c'est ceux qui se sont abonnés qui regardent cette vidéo. Et à la prochaine.